Et coucou mes belles âmes, soyez les bienvenus mes beaux artisans de paix, je suis contente de vous retrouver, soyez les bienvenus sur l'assaut énergie divine. Et oui mes belles âmes, en ce 165e jour de l'année, déjà il ne nous reste plus que 200 jours avant le 31 décembre et nous entrons dans la 24e semaine mes chers abonnés. J'espère que vous êtes en bonne santé et que vous vous portez bien, que vous avez passé un excellent week-end avec ces énergies de la nouvelle lune que nous avons eues. Je souhaite une très très belle journée en ce magnifique lundi 14 juin et un très très bon et joyeux anniversaire à tous mes petits gémeaux deuxième décan. Très très bon et joyeux anniversaire à vous si vous êtes nés un 14 juin. Et aujourd'hui nous fêtons les Élysées. Et oui, très bonne fête à tous les Élysées et à tous les Ruffins puisque c'est la sainte Ruffin également. Élysée qui nous vient du hébreu Elisha qui veut dire Dieu agréé. Les Élysées aiment le combat pour le plaisir de se mesurer avec quelqu'un, mais peu leur importe au fond de gagner ou de perdre. Toujours actifs, ils finissent par être épuisants à force de virevolter sans cesse dans tous les sens. Et comme ils sont ennemis du mariage et de la vie de famille, eh bien leur vie sentimentale se réduit à sa simple expression. Ils ne veulent pas d'entrave par peur de perdre leur liberté. Voilà qui sont généralement les Élysées. Et qui est Sainte Élysée que nous fêtons aujourd'hui? Eh bien, Sainte Élysée nous vient du 9e siècle avant Jésus-Christ. C'était le fils d'un riche paysan de la vallée du Jourdain et il abandonne tout pour suivre le prophète Élie. Le deuxième livre des rois, d'ailleurs, révèle les miracles qui jalonnent son ministère. Il ressuscite le fils unique d'une veuve qui l'a hébergé et la sauve même de la famine. Il donne la victoire aux enfants d'Israël sur ceux du pays de Moab. Voilà qui est Sainte Élysée que nous fêtons aujourd'hui. Et les Ruffins, qui sont les Ruffins? Eh bien, les Ruffins nous vient du latin Rufinus, de Rufus, qui veut dire roux. Et les prénoms dérivés de Ruffin sont Ruffin, Rufino et Rufila. Donc très très bonne fête à tous les Élysées et à les Ruffins ce jour. Et encore un joyeux anniversaire à tous mes petits gémeaux deuxième décan si vous êtes nés un 14 juin. Et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies que nous réservent des beaux cadeaux, et oui, de cette nouvelle semaine qui nous attend, mes chers abonnés. En tous les cas, moi, je suis contente de vous retrouver en cette journée. J'espère encore une fois que vous êtes en très, très bonne santé. Et on va tout de suite commencer avec mes petits amis béliers. Juste le temps de poser le chevalet. On va essayer de vous mettre par là pour qu'on puisse vous voir correctement. Voilà, mes petits béliers, comment allez-vous, mes chers amis? Eh bien, aujourd'hui, la journée sera merveilleuse. Justement pour exaucer des talents créateurs. Car la planète Mercure vous incitera à exploiter vos réserves cachées, toutes ces réserves d'habiletés créatives que vous avez, dont les applications ne se limiteront pas seulement aux affaires ou à votre foyer, peut-être même. Libérez votre imagination et réalisez quelques-uns de vos projets artistiques seraient d'actualité en cette journée. En tout cas, vous serez le premier ou la première surprise du résultat et encore plus de vos capacités. Quel est votre clin d'œil en cette journée, mes petits béliers? Eh bien, soyez généreux envers les autres, car joindre les mains, c'est bien, mais les ouvrir, c'est encore mieux. Je répète, joindre les mains, c'est bien, mais les ouvrir, c'est encore mieux. En tout cas, c'est le proverbe de Louis Ratisbonne qui vous le dit. Belle journée à vous, mes chers amis. Et on continue avec mes petits taureaux. Désolée, j'ai un petit peu la voix cassée. J'ai mis la clim, donc voilà. Voilà, la clim. Tu casses la voix. Bonjour mes petits taureaux, j'espère que vous êtes en bonne santé. Et bien que vous réservez vos énergies à vous aujourd'hui. Mes petits taureaux, les gens que vous allez côtoyer de près ne seront pas toujours branchés sur la même longueur d'onde que vous. Alors attendez-vous un peu plus de retard dans vos projets ou attendez un peu plus tard tout simplement pour montrer vos idées au grand jour. Voilà le conseil que je peux vous donner. Et quel est votre clin d'œil en cette journée? Et bien tout sera question de rythme pour vous mes petits taureaux. Alors trouvez le rythme. Respectez celui des autres et surtout ne vous énervez pas si les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitez. Allez, gros bisous, belle journée. Et on continue avec mes petits gémeaux. Coucou mes amis gémeaux, comment allez-vous? Un bisou à mon ami Chacha, j'espère que tu vas bien Chantal. Des gros bisous à tous mes petits gémeaux. Eh bien aujourd'hui, les énergies pour vous sont assez palpables, mes petits gémeaux, qui je vous le rappelle, la nouvelle lune était chez vous. Et oui, les amis pourraient cette fois jouer un rôle important dans votre vie sentimentale, aussi bien pour vous apporter une écoute réconfortante si vous êtes en couple ou si votre couple ne va pas fort ou tout simplement pour vous présenter quelqu'un si vous êtes célibataire. Et oui, mes petits gémeaux, comptez sur vos amis.
Quel est votre clin d'œil aujourd'hui? Eh bien, prenez vos responsabilités et prenez-les avec le calme et surtout le flegme nécessaire, s'il vous plaît. Voilà le conseil que je peux vous donner. Gros bisous, belle journée. Et on continue avec mes petits cancers. Coucou, mes belles âmes. Comment allez-vous, mes cancers? Eh bien, sous l'aile de Mercure bien inspectée aujourd'hui, vous avez des envies de rire, de vous amuser. Et vous saurez d'ailleurs prendre les choses avec beaucoup d'humour et d'optimisme. En cette journée, vous vous entourez de gens gais, jeunes d'esprit, ou tout simplement sortant de l'ordinaire, qui pourrait vous apporter mille et une occasions de vous divertir, mes petits cancers, et surtout de découvrir des nouveaux horizons aujourd'hui. Quel est votre clin d'œil du jour? Eh bien, cultivez l'art du dialogue, au lieu de penser que vous êtes plus futé que votre voisin, mes petits cancers, s'il vous plaît. Gros bisous, belle journée. Oups, reviens ici, petit chevalet. Et on continue avec mes amis lions. Coucou, mes petits lions. Coucou, comment allez-vous, mes belles âmes? Eh bien, aujourd'hui, les mesquineries et les paroles blessantes de vos voisins ne réussiront pas du tout à troubler votre tranquillité d'âme, car vous serez bien soutenu par la planète Mercure. Et comme dit le vieux proverbe persan, les chiens aboient et la caravane passe. Donc, vous ne serez nullement ébranlé. Quel est votre clin d'œil en cette journée? Ne cherchez pas à diriger la vie des autres, s'il vous plaît, même si c'est pour leur plus grand bien qui plus est. Voilà le conseil que je peux vous donner. Bisous, mes petits lions, belle journée. Et on continue avec mes amis vierges. Coucou mes petits vierges, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien vous aussi. Eh bien, votre dévouement ou votre besoin de dévouement sera mis à rude épreuve aujourd'hui. Si vos moyens ne vous permettent pas de voler au secours d'un ami en détresse, eh bien faites tout simplement taire votre conscience, parfois trop exigeante. Car comme dit le proverbe, un impossible, nul n'est tenu, mes petits amis vierges. Quel est votre clin d'œil en ce jour? Eh bien, n'utilisez pas votre cervelle à vos dépens. En pensant à la mort, s'il vous plaît, soyez optimiste et ayez que des idées positives. Bisous, belle journée à vous, mes chers amis. Et on continue avec mes petits balances. Coucou, mes amis balances. Un gros bisou à mon ami Eric, à mon ami Yo et à toutes les personnes qui sont balances. J'espère que vous allez bien vous aussi, mes belles âmes. Et bien aujourd'hui, avec Mars en bel aspect, ce sera le moment d'aller à la découverte, d'élargir vos horizons et de passer à l'action. Et oui, il vous faudra donner suite à de nouvelles relations amicales qui vous enrichiront et encore plus sur le plan de l'intellect. Quel est votre clin d'œil en ce jour, mes petits balances? Eh bien, ne vous mettez pas à la merci des autres en cédant à des mouvements de colère. Ça pourrait vous desservir. Voilà le conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Gros bisous, mes amis. Belle journée à vous aussi. Et on continue avec mes petits scorpions. Coucou, mes scorpions. Comment allez-vous aujourd'hui, mes belles âmes? Eh bien, mes petits scorpions, les relations affectueuses avec nos amis, puisque je suis scorpion moi aussi, sur lesquels nous pouvons compter aujourd'hui sans risque d'être déçus. Et oui, nos rapports avec les amis de l'autre sexe s'avéreront également très agréables grâce à une certaine ambiguïté. Alors attention aux rapports de séduction si vous n'êtes pas consentant. Quel est votre clin d'œil du jour, mes petits scorpions? Eh bien, laissez aux autres la liberté dont vous souhaitez vous-même disposer. Après tout, ce n'est que faire plaisir. Voilà le conseil que je vais vous donner. Gros bisous, mes scorpions. Belle journée. Et on continue avec mes petits sagittaires. Coucou. Oups, mes belles âmes, comment allez-vous? Vous avez envie de vous échapper, vous? Où allez-vous? Eh bien, aujourd'hui, vous aurez une fâcheuse tendance à vous enfermer dans des attitudes un petit peu systématiques, mes petits sagittaires. Alors, essayez d'être un peu plus ouvert, d'être un peu plus disponible, surtout avec ceux qui vous entourent. Et vous verrez alors que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. Gardez votre clin d'œil en ce jour et bien efforcez-vous de bien discerner ce qui compte réellement à vos yeux, ce qui compte vraiment. Voilà le conseil que je vous donne. Gros bisous mes amis, belle journée à vous aussi. Et on continue avec mes petits capricornes. Coucou les amis capricornes, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien mes belles âmes. Aujourd'hui vous avez un esprit conciliant et une attitude assez compréhensive. Et d'ailleurs ce sera vos meilleurs atouts aujourd'hui pour aplanir les difficultés et surtout pour démolir les blocages que vous pouvez rencontrer. Car votre bonne volonté et la bonne volonté des autres vous sera très précieuse. Alors ne la gâchez pas par votre impatience ou vos humeurs, mes chers amis capricornes. C'est surtout dans votre vie amicale que vous aurez besoin de déployer du calme et du savoir-faire pour esquiver les obstacles, tirer un bon parti d'une situation confuse ou tout simplement empêcher une animosité de se développer. Quel est votre clin d'œil en cette journée? Eh bien, allégez vos obligations, s'il vous plaît, et accordez-vous davantage de temps, rien que pour vous, mes amis. Gros bisous, belle journée à vous aussi. Et on continue avec mes petits Verseaux. Coucou mes amis Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, mes petits artisans de paix. Aujourd'hui, s'il vous plaît, forcez-vous d'être clair et précis, tant dans vos paroles que dans vos écrits, mes chers amis.
car vous risquez en effet de provoquer des malentendus qui vous seraient regrettables et qu'il vous sera malaisé de dissiper surtout, qui plus est. Alors relisez soigneusement votre courrier et faites attention à tout ce que vous signez en cette journée et à vos paroles autant que à vos écrits. Soyez clair et précis. Quel est votre clin d'œil en ce jour, mes amis? Eh bien, ne cherchez pas à imputer vos malheurs réels ou imaginaires aux autres et à cette hypothétique entité qu'est le destin. Soyez plus réaliste que ça, mes amis Verseau. Gros bisous à vous, belle journée. Et je termine avec mes petits poissons. Coucou mes amis poissons, comment allez-vous, mes belles âmes? Eh bien, n'attendez pas toujours que les autres fassent le premier pas, car Saturne vous fera comprendre qu'une meilleure ouverture est nécessaire, surtout pour simplifier et faciliter vos rapports en cette journée. Alors mes petits poissons, exprimez-vous sans crainte, tout en prenant les précautions d'usage, s'il vous plaît. Et puis, si vous continuez à rester trop réticent, voire trop méfiant, eh bien les autres finiront par se lasser et vous aurez le sentiment d'être totalement rejeté ou abandonné. C'est vous qui voyez. Quel est votre clin d'œil en cette journée? Eh bien, essayez de retrouver tout simplement la spontanéité de votre enfance, s'il vous plaît. Soyez dans la légèreté, mes petits poissons. Voilà le conseil que je peux vous donner en cette journée. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général. Ça ne peut pas résonner pour tout le monde. Alors, mes chers abonnés, s'il vous plaît, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à me contacter en privé pour une guidance personnalisée. En tout cas, je me ferai un réel plaisir de vous aider. Et quelle est la citation que je peux vous donner avant de clôturer ce magnifique tirage? Eh bien, elle nous vient de Eric Satie, tout simplement, qui nous dit « Quand j'étais jeune, on me disait « Vous verrez quand vous aurez 50 ans. » J'ai 50 ans et je n'ai rien vu. Je répète, « Quand j'étais jeune, on me disait « Vous verrez quand vous aurez 50 ans. » J'ai 50 ans et j'ai rien vu. » Voilà la citation de ce jour d'Eric Satie. Et pour prendre le dicton météorologique du jour, eh bien, on dit qu'à la Sainte-Ruffin, cerise à plein jardin. Alors, cette belle journée, mes chers abonnés, soyez bénis. Et avant de clôturer ce magnifique tirage, un dernier mantra pour voir quelles sont les énergies. Amen, j'adore. Écoutez, on nous dit, la vie me sourit et la chance me poursuit. La vie me sourit et la chance me poursuit. Eh bien, écoutez, c'est sur ce magnifique mantra que je clôture ce tirage en vous souhaitant de très, très belles énergies. Une magnifique journée aussi. Je vous fais de gros bisous, mes amis. Encore mille merci pour votre fidélité. Merci à vous, mes chers abonnés. Merci, merci, merci de faire vivre cette chaîne, de liker, de partager et d'être présent à tout moment. Et bienvenue à vous, mes chers nouveaux abonnés. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous fais une vidéo dans la foulée pour vous donner les énergies. Et oui, justement, de la rétrograde de Mercure actuellement, signe par signe. Et surtout pour vous donner vos énergies de la pleine lune qui arrive très bientôt. Et oui, parce que nous allons avoir une pleine lune qui aura lieu normalement jeudi 24, si je ne vous dis pas de bêtises. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Belle journée à vous. Soyez bénis, mes amis. Merci. Gratitude infinie.